Voilà une légère vidéo du déballage du Galaxy S4. Donc la boîte, un genre d'imitation de bois, bon, c'est du papier, hein. Genre de papier craft un peu. Alors, bon, ça va assez classe la première fois qu'on le voit, puis au final, on s'aperçoit que c'est du papier. Certains rigoleront, c'est un peu comme le S4, bon, on dirait du métal, et puis au final, c'est du plastoc. Donc, le Galaxy S4. Puis après tout est décliné en façon un peu carton comme ça, donc toutes les notices sont comme ça. Et je sais pas si vous allez voir, hop, je vais essayer de me pencher un peu. Après c'est câble micro USB, chargeur, écouteurs, c'est exactement les mêmes accessoires que le S3 ou le Galaxy Note 2, les mêmes écouteurs je pense. Faudrait que je regarde. Ah non, le fil est plat pour éviter de les emmêler, donc bon, je testerai ça peut-être un peu plus tard pour vous dire ce que vaut les écouteurs. Donc voilà, après pour ce qui est du S4 et que vous puissiez vous rendre compte un peu de la taille de l'appareil, je retire le plastique. Voilà, je vais mettre à côté d'un Note 2 par exemple, un Xperia Z, un Nexus 4 et un iPhone 5 qui est petit. Je dézoome un peu. Voilà, ce qui est vraiment appréciable, c'est que le S4 est vraiment beaucoup plus léger et même plus petit que le Xperia Z pour la même taille d'écran. Je reviendrai après pour les spécificités techniques, mais déjà c'est la première chose qui saute aux yeux quand on l'a à côté d'un Xperia Z. Voilà.